Добро пожаловать в мой канал. Info JDD. Le nouveau sélectionneur des Bleus Jacques Brunel a convaincu l'ancien Toulousain Jean-Baptiste Elissalde de rejoindre le staff tricolore. Après avoir essuyé un refus de la part de plusieurs managers du top 14 Azema Clermont, Colazo La Rochelle, Galtier Toulon, Mignoni Lyon, Jacques Brunel a réussi à convaincre Jean-Baptiste Elissalde de le rejoindre au sein du staff du 15 de France. On y voit donc un peu plus clair sur la composition de ce dernier après une dizaine de jours de flou total, suivant la nomination du Gersois à la place de Guinoves, le 27 décembre. Info@lejdd sollicité par Jacques Brunel, @elissaldejb a donné son accord pour devenir son adjoint au sein du XV de France, Philippe Kallenbrun @ph. Kallenbrun 2 janvier 2018 Sébastien Bruno a dit oui, Julien Bonner pas encore et dimanche, en marge du match de top 14 entre Lyon et Pau, Yann Robert, le président du Loup, a en effet révélé que son club allait mettre Sébastien Bruno à la disposition des Bleus pendant les 8 semaines du tournoi des 6 nations, premier match le 3 février contre l'Irlande. L'ancien talonneur international s'occupera des avants et notamment du secteur de la mêlée. Contacté par ailleurs pour prendre en charge la touche française, l'ancien 3e ligne Julien Bonner, 39 ans, 75 sélections, libre de tout contrat, réservait encore sa réponse ces derniers jours. Jean-Baptiste Elissalde, 40 ans, sans club depuis son départ du Stade Toulousain à l'intersaison, s'occupait depuis peu de l'équipe de France des moins de 18 ans au sein de la Fédération Française de Rugby FFR, en compagnie de Christian Califano. Ancien demi de mêlée ou demi d'ouverture, buteur, passé par La Rochelle avant d'atterrir dans la ville rose où il fut le joueur puis l'un des adjoints de Guinoves, il a totalisé 35 sélections chez les Bleus. En équipe de France, il a côtoyé Bernard Laporte, alors sélectionneur, et son adjoint, Jacques Brunel.